Eh bien bonjour, je m'appelle Cyril Porcher précisément, je suis d'origine nantaise et je suis de formation coach sportif. Et j'ai été coach sportif pendant une dizaine d'années, puis gérant de club de fitness pendant 20 ans. Et voilà, un peu plus d'un an, j'ai décidé de changer de vie, de carrière. Alors, j'ai découvert l'aquaponie un petit peu par hasard, par l'intermédiaire de mon épouse. Parce qu'on est installé à la campagne là depuis environ un an et on avait un projet à l'initial basé sur l'agrotourisme, mais on a découvert que sur des terres agricoles il fallait qu'on soit d'abord agriculteur avant de pouvoir développer un projet d'agrotourisme. Donc il a fallu qu'on trouve une orientation d'agriculture réalisable. On n'est pas agriculteur de base, donc voilà. Et on s'est intéressé à Ecologia, notamment d'abord autour de l'agrotourisme. Et on a découvert ensuite la formation Aquaponia. Et oui, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. C'est en s'intéressant à l'activité de logement insolite, d'hébergement insolite d'Ecologia, qu'on a découvert Aquaponia. Et on s'est intéressé à la solution de l'aquaponie qui nous convient, qui techniquement, financièrement et même en termes d'éthique nous permet de développer une activité agricole sur nos terres et qui sera un super fil rouge pour le développement du projet agrotourisme à suivre. Alors, parce que je ne viens pas du tout de l'univers de l'agriculture et encore moins de la pisciculture. Donc, il me semblait indispensable de me former techniquement, juridiquement, réglementairement. Voilà, donc ça c'était important. Et au bout de 9 mois de formation, je comprends que c'était indispensable et que ça va être porteur. Alors, le projet, c'est de créer une ferme aquaponique. Sur une production quasi à 50% entre l'aquacole et le végétal. On espère bien une activité en lien avec Aquaponia en termes de fourniture d'alevins, parce que le projet, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, serait d'être parmi les premières fermes à élever et commercialiser un poisson 100% aquaponique. Donc ça, la proximité de notre lieu de vie qui se situe dans le nord Anjou, donc à 45 minutes de Laval, nous permet d'envisager cette collaboration avec Ecologia sur la fourniture de poissons. Donc la première étape du projet, c'est la ferme aquaponique, dont entre 1500 et 2000 m² sur une structure qui pourrait accueillir entre 2 et 4 personnes à travailler à plein temps. Et ensuite, c'est de développer un projet, donc le projet initial, le projet agrotourisme, logement insolite et événementiel en lien justement avec l'aquaponie, l'éco-responsabilité et la prise de conscience. Le projet, il est déjà en partie avancé. Alors j'avais moi, faut savoir que je fais la formation avec mon épouse, on fait ça en couple. J'avais un peu l'ambition d'avancer un peu plus vite que la musique pendant la formation. Je me suis rendu compte qu'avec la somme de connaissances et de compétences qu'il fallait acquérir, il ne fallait pas aller trop vite. Donc la première étape, c'est de valider la formation d'ici une semaine. Et ensuite, c'est d'embrayer tout de suite l'élaboration du projet. On va se donner 2024 pour vraiment finaliser tous les tenants aboutissants. Et on espère bien se lancer dès 2025. Alors, pour décrire Aquaponia, je dirais compétence. Notamment, on a découvert une grosse compétence scientifique. Bien sûr, le mot formation et évidemment le mot accompagnement. Ecologia, je dirais en mission par rapport à la biodiversité, à l'éco-responsabilité. Je dirais éthique et conviction. Je pense que la solution, comme certains institutionnels, notamment au niveau de l'Union européenne, l'ont dit, je pense que l'aquaponie fait partie de la solution. La solution pour
nous sauver et nous faire perdurer sur cette jolie planète. Donc l'aquaponie fait partie de la solution.